Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Call of Duty Modern Warfare 3. Donc bah voilà, donc là on est sur Steam, hein, normal. Oui, moi à la base je voulais pas trop faire des jeux trop connus, ce genre de jeu Call of Duty, même Black Ops, j'évite. Mais là donc bah exceptionnellement je vais faire Call of Duty parce qu'on me l'a demandé. Donc c'est parti. Donc Call of Duty Modern Warfare 3, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai pris un peu ce que je voulais en équipement. Je prends un peu mes habitudes. Donc voilà. On attend, hein, il faut attendre. Hein, vu on va faire une partie un peu en ligne. Donc ce sera pour ceux qui connaissent pas. Ouais, je vais essayer d'expliquer rapidement. On va pas trop s'attarder sur les détails. En gros, juste pour montrer la qualité graphique et puis tout ça. Donc, début de la partie. Allez. Donc, un petit chargement. Tac, 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 tac. Peut-être un petit peu long des fois. Mais bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, je l'ai pas dit, mais donc Call of Duty, bah, c'est un jeu de FPS, hein, donc c'est un jeu de guerre à la première personne, donc voilà. Donc là, il va falloir y aller. Alors, c'est parti. Classe personne, c'est parti. On est parti. On y go, on commence déjà direct. Donc on peut remarquer, hop, que c'est toujours bien foutu. Voilà, là-bas, hop, on va jeter une petite grenade. Donc il faut être, vu qu'on est en ligne, il faut quand même être assez rapide, assez connaître le jeu. Parce que bon, si vous connaissez pas du tout, ben voilà. Déjà ça commence mal, je me suis fait déchirer la tronche. Si vous connaissez pas, bah, les gens qui sont autour de nous, bah, eux par contre savent jouer. Donc il faut se bouger le fion. On se fait un peu déchirer la tronche. Je me suis pris un coup. Eh ben dis donc, je suis un peu pourri aujourd'hui. C'est pas la joie. Je me fais un peu déchirer la tronche, j'ai envie de te dire. J'ai envie de dire. Allez. Donc, c'est comme vous avez pu le remarquer, le but est de capturer le drapeau adverse. Voilà, donc ça c'est tout simple. J'ai choisi ce mode parce que j'avais envie. Franchement, voilà. Donc ouais, c'est un peu compliqué de faire le commentaire en même temps qu'on joue à la vidéo. On joue au jeu vidéo, n'importe quoi. Ça, en essayant de pas crever, en essayant de rester concentré. Voilà, donc d'expliquer en gros la façon dont ça fonctionne. Donc ça va, je suis pas mort depuis les 30 dernières secondes, voilà. Il suffisait que je le dise et je suis mort. Super bien. Allez, allez. Ah, ça fait pas semblant, hein, sur Call of Duty. Hein. J'hésite, hein. Pour ceux qui se tâteraient à y jouer, il faut un petit temps d'adaptation dès le début. Parce que franchement, il vous laisse pas trop le temps de respirer. C'est normal. En même temps, on est en ligne, hein. Alors lui, il est un peu con, lui d'ailleurs. Le mec, il m'a à peine vu arriver, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà. Oui, je disais donc tout à l'heure. Ah là, ça y est, ça fait 30 secondes que je suis pas mort. C'est plutôt sympathique. C'est mieux que de mourir toutes les 3 secondes, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on protège. Oula, qu'est-ce qui se passe là-haut? Voilà, lui. Cassez-vous, 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 enculé. Ouh, j'ai pris cher, hein. J'ai pris cher. Voilà. J'ai pris cher et je suis mort. Allez, allez, on se dépêche. On remarque quand même que l'état de la rue est assez pitoyable. On ne sait pas trop au niveau du décor, hein, où est-ce qu'on est. Choup, choup. Voilà. Un bon positionnement
tuer. C'est ici. Parce que bah du coup ils passent tous en bas donc. Donc après voilà c'est peut-être pas une bonne idée dans le sens où c'est que ils savent qu'on est là donc ils peuvent nous tirer dessus. Mais bon du coup ça nous donne un bon angle de vue. Donc lui il protège de ce côté. Nous on protège ici. Drone de brouillage activé. Ils sont aveugles. Le drapeau est à nous. Ouais, allez, ça sent bon. Ça sent bon la petite victoire ça. Drone ennemi repéré. Missile Predator paré au lancement. Où c'est qu'ils sont? Oula. Un avion qui est passé. On l'a tous senti. Oula. Alors là, je viens de bien me faire déchirer. Il a pas fait semblant. Hein. Enculé. Ça, c'est fait. Donc là on a envoyé du lourd. Hein. Je veux dire, on a envoyé un petit missile dans sa tronche. Voilà, putain. Et je me débrouille pas trop mal, même si je me fais déchirer la tronche, quand même. Hein. Assez souvent. On arrive quand même bien à les niquer comme ça. Après, voilà, faut être habitué un peu à la map. Hein. Un peu à... Ouais, parce que si vous connaissez pas du tout, hein. Franchement, faut jouer plusieurs fois. Hein. C'est pas possible de... S'en sortir sans. Aïe. J'ai eu mal. Voilà, ça commence déjà à aller mieux. Eh ben non. C'est allé mieux, mais pas pour longtemps. Capsule. Allez, vas-y, baby. Eh non. Alors, on y retourne. on y retourne. Tap. Et allez, ça c'est la guerre. Donc le but est d'ouvrir les mallettes avant les autres sans se faire déchirer la tronche. Voilà. Sauf que je vais me faire déchirer la tronche. On va dire qu'on a reçu des équipements et le but ça va être de les récupérer sans se faire déchirer la tronche. Alors c'est à celui qui les récupère avant l'autre. Hein. Donc faut avoir de la chance, le temps de l'ouvrir, il faut avoir de la chance de pas se faire déchirer. Oula, c'est aveuglant. Ah, on s'approche de la fin de la partie. Et voilà. Bravo Delta, beau travail. On a gagné. C'est plutôt pas mal. Et en plus, j'ai killcam. Nickel. Ça pouvait pas mieux tomber pour cette vidéo, voilà, killcam. Donc voilà, on aura fait une petite partie de Call of Duty, je vais pas m'attarder plus que ça, je voulais juste voilà, montrer une petite partie. Donc voilà, pour Call of Duty, Modern Warfare 3. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.